Rebonsoir. Alors, bonsoir à tous ceux qui étaient là tout à l'heure pour le live sur les gaufres au boudin noir et puis mon gâteau pomme ananas. Donc, je viens de le retourner. Il a cuit, il a un petit peu refroidi et je voulais faire le démoulage en live pour vous montrer. J'espère, je croise les doigts, que le résultat sera au rendez-vous. Je vous rappelle, je l'avais cuit dans le flexipan inspiration rond. J'ai mis au fond un tapis décor, une toile décor, la toile décor arabesque, avec un certain nombre de reliefs qui vont faire un joli décor. Et comme je vous expliquais, sur un gâteau, je ne l'avais jamais testé. Donc on va voir le résultat en direct. J'espère que ça va marcher. Donc pour le démouler, je vais juste retourner sur ma plaque. Comme j'avais déjà comme j'ai au fond mon tapis relief, je n'ai aucune difficulté à enlever le moule. Et c'est là maintenant qu'on va découvrir si le relief fonctionne ou pas. Et est bien marqué ou non. Vous voyez, je n'ai qu'à soulever. Et on a un magnifique relief. Il fume encore, hein. Vous voyez qu'il vient juste de cuire. Et voilà le relief que donne ce tapis arabesque. Donc là, ça a parfaitement fonctionné. C'est un moelleux à l'ananas. On aurait pu faire pomme ananas, on aurait pu faire d'autres parfums, on aurait pu faire ananas coco, comme je le disais en live tout à l'heure. Et voilà le tapis relief utilisé. Donc il s'agit du tapis relief arabesque. Donne un superbe résultat. Donc petite astuce si vous voulez utiliser ce genre de tapis comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai d'abord versé un petit peu de préparation dessus, bien étalé, bien appliqué pour que la préparation, vous voyez, se mette bien dans les petites interstices ici, afin qu'on voit bien les trous, qu'on voit bien le relief. C'est ce qui fait que ici on a des bosses et des creux en fait. Et en suivant, j'ai placé mon tapis dans le moule, sur sa plaque perforée évidemment, et j'ai continué à garnir le moule pour le cuire. Il a cuit 30 à 35 minutes à 180 degrés avant d'arriver à ce résultat. Voilà, donc c'était le démoulage de mon gâteau. Pour les gaufres, elles sortent à peine du four, donc je ne vais pas encore les démouler. Je vous montrerai ça en photo dès demain. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.